qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Pierre-Louis? Aujourd'hui, on va faire un tournoi de Keyforge! Du-du-du! Pour ça, t'es déguisé en princesse de l'espace. Exactement! C'est quoi Keyforge? Eh bien, Keyforge, c'est un jeu à deux joueurs, un duel de cartes! T.Y.X, soldat du hasard, est prêt à t'affronter. Zorba, juge de la réserve, assoiffé. Bonne chance. J'en ai jamais de besoin. C'est un jeu qui a été créé par Richard Garfield, le génie derrière Magic the Gathering. Mais attention, Keyforge, c'est un jeu qui est différent de tous les autres jeux. D'abord, tous les decks sont différents, uniques! Oh que oui, il y a un ordinateur ultra puissant dans les bureaux de Fantasy Flight qui crée des combinaisons avec les 7 familles présentes dans le jeu. Avec événement, flèche sifflante, un dégât à tous les copains. Oui, oui. Ils sont là pour ça, c'est des professeurs et des chercheurs, ça me donne un nom. Ouais, c'est vraiment comme un cow-boy de rodéo, vous allez devoir chevaucher ces cartes sauvages pour en tirer le meilleur. Je sais que c'est weird comme métaphore, mais c'est vraiment ça! Les combats dans le jeu sont vraiment le fun, sont vraiment dynamiques, sauf que le but du jeu numéro 1, c'est de forger 3 clés. C'est tout? Ouais, ouais. Eh bien, je vais commencer mon tour. Mais vas-y! Forger cette 3e clé. Et gagner! Non! Et comment qu'on forge ça des clés? Eh bien, c'est avec cette fameuse ambre. Amber. C'était Amber, mais en français, c'est de l'ombre. Bref, les petites ch'tounes ici, toutes jaunes, c'est une ressource convoitée par tous les gens autour de la table. Et c'est une ressource avec laquelle tous les joueurs doivent interagir tout le temps. On peut récolter la ressource, on peut voler la ressource, on peut augmenter le prix des clés, on peut empêcher les gens de récolter de l'ombre. Oui, mais ce qui est cool, c'est que le jeu propose 7 factions, donc c'est 7 maisons qui ont toutes des stratégies différentes. Par exemple, les ingénieux Logos, qui vont vous faire piocher des cartes, ou les rusés Ombre, qui eux vont dérober toute l'ombre de votre adversaire, ou bien encore les terrifiants démons de Dis, qui peuvent nettoyer la table au complet de toutes les créatures qui s'y trouvent en un seul coup! Ou bien les martiens qui... Oh, ouais. Voyons, ils font... Ils viennent de Mars. Bon, ils font ce qu'ils peuvent. Vos decks uniques sont fondés de 3 maisons différentes. Et à chaque tour, ce que vous voulez faire, c'est activer une de ces maisons-là pour en tirer profit, hein, essayer de faire comboter les cartes. Et tout l'art de Keyforge réside dans jongler entre ces différents effets. Je pense que c'est le moment où je vais jouer this. Je vais y aller all of this. Je vais... Les clés pour le prochain tour vont te coûter un maigre 9! Donc avec le coup des rêves brisés, c'est plus 3 le coup des clés. Si vous voulez voir le tournoi, voir qui est-ce qui a gagné, cliquez sur le lien dans le bas, vous allez tout pouvoir vous gâter ça. Et pourriez même gagner un magnifique box set offert par GameGenic. On va les faire tirer dans la prochaine vidéo, la finale. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir gagner ceci, mes amis. Alors, bonne chance à tous, que le meilleur gagne! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!